Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présenterons la famille de Camille Combal. Camille Carl Combal, né le 18 septembre 1991 à Gap, est un animateur de télévision et de radio, humoriste et producteur de télévision français. Après avoir fait des études axées sur l'économie, il décide de se lancer une carrière dans les médias. Il fait ses débuts sur Fun Radio, où il anime la libre antenne aux côtés de Sophie Gaillard en 2006. De 2007 à 2009, il est sur Énergie où il est aux manettes du 6-9, ou encore le Moucha Show. Il se lance également dans la télévision où il présente l'émission de Zapping, à Zap sur W9, ainsi que, plus vite que la musique sur M6. Sa popularité explose quand il rejoint en 2012 l'équipe de « Touche pas à mon poste », aux côtés de Cyril Hanouna sur C8. Ses chroniques toujours aussi drôles les unes que les autres le rendent très attachant et aimé par le public. Le poste de surveillance de Camille Combal, ainsi que ses parodies des émissions et séries comme Inspecteur Derrick ou House of Cards sont très appréciés. Il rencontre aussi un grand succès avec son pastiche de micro-trottoir, Il en pense quoi votre frère ? En 2018, il quitte C8 pour TF1, où il devient l'animateur phare de la chaîne. Il anime avec brio plusieurs émissions telles que « Danse avec les stars »,« Mask Singer »,« La famille en or »,« Qui veut gagner des millions ?» ou encore, Camille et Images. Camille Combal s'est imposé au fil du temps comme l'un des animateurs les plus appréciés et populaires de l'audiovisuel, et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son père se nomme Henri Combal et sa maman Evelyne Combal. Ils évoluent dans le secteur de l'hôtellerie, la restauration et l'immobilier. Ils sont très proches et complices avec leur enfant. Camille a révélé que c'était de ses parents qu'il tenait son sens de l'humour. Ma mère est marrante, mais souvent à son insu. Mon papa était derrière son bar et faisait des blagues toute la journée. Il en connaît des milliers, a-t-il déclaré. Camille Combal est atteint de kératocone, c'est une maladie dégénérative de l'œil qui se traduit par une perte de la sphéricité de la cornée qui prend alors la forme d'un cône. Il vit avec un seul rein. Les parents de l'animateur étaient au début sceptiques quand il a voulu s'orienter vers le monde des médias. Ça nous faisait peur. On s'est dit, tout le monde se drogue, c'est dangereux. Mais on l'a laissé faire. Mais la suite a donné raison au jeune Camille. Si son père est plutôt discret, sa mère quant à elle a déjà fait quelques apparitions dans ses émissions comme Danse avec les stars ou Stereo Club.
Camille Combal a un frère aîné du nom de Clément Combal. Diplômé de Sciences Po, il travaille dans la finance. Camille Combal est mariée depuis plusieurs années avec Marie-Thérèse Stéphanie, elle est également journaliste. Ils sont très discrets sur leur relation, préférant vivre leur amour loin des projecteurs. Ensemble, ils ont eu un petit garçon prénommé Pio, né en mai 2022.